Bonjour, bonjour. Ici une vidéo tout simplement pour vous rappeler et qui est pour vous motiver à ne jamais abandonner. La vie est semée d'embûches, la vie est constamment avec des virages. Vous n'avez pas toujours l'itinéraire que vous avez pensé. C'est des virages à gauche, à droite, exactement comme la circulation, exactement comme vous roulez tout droit, vous projetez à plus de 100 mètres et puis vous ne savez pas ce qui se passe derrière le virage. Mais vous continuez, vous roulez pour atteindre votre destination, pour atteindre votre objectif. Malgré que par ça, on va vous dire attention, danger, soyez prudent, ce que tu abordes en projet. Mais tu vas le faire, tu vas aborder ce virage, tu vas faire attention, tu vas projeter ton regard. Okay. La vie, elle est faite pour tout le monde, pour les 7 milliards, 8 milliards d'humains, avec cette difficulté. Personne n'a voulu avoir la vie qu'il souhaite. Mais qui continue dans sa trajectoire, que ce soit une pente, que ce soit une descente, que ce soit un virage à gauche et à droite, le plus important c'est d'être positif, optimiste et regarder la globalité de la vie comme ce paysage que vous voyez. Vous savez, il y a plusieurs pays malheureusement qui sont en forte difficulté et qui n'ont pas ces citoyens, cette chance, cette opportunité justement de pouvoir juste combattre avec les difficultés de la vie, les épreuves de la vie. Mais là, ils se battent justement pour obtenir la paix. Juste la paix, ne pas se faire bombarder, ne pas se faire envahir. J'ai une grande pensée pour tous ces pays opprimés. Ces pays ont tué des enfants, pour ne pas citer la Palestine et d'autres pays. Bien sûr, grande pensée à nos frères congolais. Personne justement met à jour dans les médias cette personne. Donc voilà, c'est une petite parenthèse. Voilà, sécurité routière, sécurité pour la paix, sécurité justement à essayer de propager un message de paix. De paix, de paix à cette nouvelle génération et de tenir le flambeau pour être contre toutes sortes de génocide, j'arrive même pas à le penser, comment c'est aberrant en 2024 de parler de ça en 2025. Encore des gens qui tuent des enfants, franchement. On parle de droit international, de droit d'enfant, c'est vraiment. C'est trop, quoi. Franchement, c'est trop. Là, je suis en vacances, je dois penser à ça et je dois le divulguer et je dois le dire. Et payer cela à tous les rappeurs à 2,50 francs, à tous les acteurs à 2,50 francs qui parlent pas de ça. Franchement, vous valez que dalle. Vous avez bouffé l'argent des citoyens avec votre divertissement pour les abrutir, pour les faire rire. Et quand il s'agit vraiment de parler au nom de la paix, ils se reconnaîtront. Tous ceux qui se sentent vexés, c'est que la vérité, elle blesse. Ciao, amigo. Aziz, code suite.